Bonjour à toutes et à tous. On est ce samedi 11 mai, Christian avec vous. On fête la Sainte Estelle. Estelle ou Stella, qui veut dire étoile, honorée à Sainte, la ville, comme ayant subi le martyre au IIIe siècle. Elle fut surtout célèbre, rendue célèbre grâce au poète Mistral. Je souhaite un bon anniversaire pour tous ceux qui sont nés un 11 mai. Et aujourd'hui, Jocelyne et Nadja vont faire la lecture avec moi. Apollo démontrait par les Écritures que le Christ, c'est Jésus. Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul partit. Il parcourut successivement le pays Galate et la Phrygie, en affermissant tous les disciples. Or, un juif nommé Apollo, originaire d'Alexandrie, venait d'arriver à Éphèse. C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il avait été instruit du chemin du Seigneur dans la ferveur de l'Esprit. Il parlait et enseignait avec précision ce qui concerne Jésus. Mais, comme baptême, il ne connaissait que celui de Jean le Baptiste. Il se met donc à parler avec assurance à la synagogue. Quand Priscille et Aquila l'entendirent, ils le prirent à part et lui exposèrent avec plus de précision le chemin de Dieu. Comme Apollo voulait se rendre en Grèce, les frères l'y encouragèrent et écrivèrent aux disciples de lui faire bon accueil. Quand il fut arrivé, il rendit de grands services à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu. En effet,
avec vigueur, il réfutait publiquement les Juifs, en démontrant par les Écritures que le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Dieu est le roi de toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Dieu est le roi. De toute la terre. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le Grand Roi sur toute la terre. Tu es le roi de toute la terre. Tu es le roi. La terre. Car Dieu est le roi de la terre. Que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu est le roi de toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Les chefs des peuples se sont rassemblés. C'est le peuple du Dieu d'Abraham. Les princes de la terre sont à Dieu qui s'élève au-dessus de tous. Dieu est le roi de toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Dieu est le roi. Voilà, nous arrivons à la fin. Je remercie Jocelyne et Nadja pour les lectures et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée dans la paix du Christ. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'il en mourut sur une croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Rien ne peut les séparer de son amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour.